Salut les gens, c'est Piment de The Geek's Trail. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test, présentation d'un jeu rétro. Et vous l'avez vu avec mon capéo sur la tête. Et vous l'avez vu dans le titre de description, hein, titre de la vidéo. On va jouer à The Blues Brothers, un jeu sur Amiga 500. Sorti en 1991, un jeu français. Parfaitement, un jeu français développé par Titus Interactive, bien connu pour ses jeux difficiles et certaines de ses licences cultes, par exemple Fire and Forget, la série des Crazy Cars, Crazy Cars 1, Crazy Cars 2, Crazy Cars 3. Et ils ont sorti aussi des jeux de plateforme. Un des plus connus, je parle souvent parce que j'adore, Les Aventures de Mokhtar. Et oui, il sortira la même année, 1991. Et avant Mokhtar, il y a eu ces fameux The Blues Brothers. Un jeu adapté du film du même nom, hein, bien entendu, pour ceux qui dorment. Hein, avec Dan Aykroyd, entre autres. Par contre, le film est sorti au fin des années 70, début des années 80. Et donc, on est en 1991. Ça fait quand même pas mal de temps, hein. Bref, sans plus attendre, je vais lancer l'enregistrement. 3, 2, 1, bip. Je lance le jeu pas trop loin. Et on va faire une petite partie test pour découvrir ce jeu, le précurseur à Mokhtar. Et vous allez voir que graphiquement, on reconnaît la patte graphique de Titus, qui plus tard deviendra Mokhtar. Hein, et on reconnaît exactement, quasiment le même gameplay. C'est très joli, les musiques sont très sympas, et il reprend à peu près la trame sérastique de loin, bien entendu, du film. Donc là, on n'a pas fait attention parce que j'appuie comme un bâtard, comme un bourrin. On peut choisir entre Jack et Elwood, mais bon, ça change rien, c'est les deux personnages. Et en fait, vos vies, c'est Jack et Elwood. Dès que vous perdez avec un, vous reprenez avec l'autre. Et dès que vous perdez avec l'autre, c'est game over. Le gameplay est simple. Là, c'est un peu comme Mokhtar. Je récupère des objets, en l'occurrence ici des caisses. Je tue des ennemis. Attention, Mamie Nova, dans son caddie. Hop. Je tue des ennemis. Et le but, il est simple, c'est en fait de trouver tous les instruments des Blues Brothers disséminés dans chaque niveau. Dans un niveau, il y aura un instrument de musique, dans l'autre, il y aura un autre instrument, ainsi de suite. On les voit en haut. Le premier, c'est la guitare, le deuxième, c'est le micro, le troisième, c'est peut-être le tambourin, hein, je ne sais pas ce que c'est, l'ampli peut-être. Après, je ne sais pas, après, ça sera le théâtre. Et le premier niveau, et en fait le jeu reprend la trame graphique. Donc là le premier niveau c'est le supermarché, un peu comme dans le film là où il y avait la course poursuite. Sauf que dans le film c'est avec des bagnoles, là on est à pied. Donc là je rentre dans les boutiques, là je sors de suite parce qu'il y a Didi l'embrouille. Il y a Billy la banlieue. Faut faire attention parce qu'on a que 3 points de vie, et ça part très vite. Là je récupère des disques vinyles. De mémoire. Quand on réussit à en avoir un certain nombre, ça vous redonne un point de vie en plus. Si je dis pas de bêtises, hein, j'ai pas rejoué depuis. Le point d'interrogation, ça vous donne un truc au hasard. Là par exemple, ça c'est un malus, ça vous fait danser. Alors quoi vous dire, c'est un malus, ça fait danser. Mais en fait, ça vous immobilise, vous pouvez pas bouger pendant que vous dansez. Oula. Pour ramasser les objets, c'est un peu comme Mokhtar, il faut se baisser et appuyer sur le petit bouton. Appuyer sur le bouton. Voilà. Et on peut le jeter. Que tout droit, par contre, on peut pas le jeter en l'air comme dans Mokhtar. Pour rentrer dans les boutiques, il faut garder le bouton haut appuyé et appuyer sur le bouton. Et là, si on ne peut pas rentrer, c'est qu'il n'y a rien. Attention à Didier l'embrouille. Et là, de mémoire, il y a la guitare. Elle est là. Hop. Voilà, maintenant, je peux arriver à la fin du niveau. Enfin, normalement, je dois essayer d'arriver à la fin du niveau. 87 disques. Voilà, dès qu'on en a 100, je récupère un point de vie, c'est bien ce que je pensais. Je peux ramper aussi. Là, je fais un litige avec la serveuse qui me balance des assiettes, prends ça dans ta gueule.
Je t'ai rien fait, mais y a tout le monde qui t'en veut dans ce film, dans ce jeu, dans le film accessoire. Est-ce que je peux monter avec les objets comme Mokhtar? On va le savoir. Et ça, ça va se savoir. Non, là je ne peux pas. C'est con. Oh, Billy, il a déconné, Billy la banlieue. Billy la banlieue, qui se rappelle de Billy la banlieue. Ce jeu formidable sur ses PC. Billy 1 et Billy 2. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, je ne sais pas si elle sera sortie au moment où je vous parle. Alors, le requin ne vous tue pas. J'ai fait une petite vidéo de Billy 2. Ah, les bonus, voilà, là j'ai perdu moins 20 disques, putain, enculé. Ça, c'est du malus de fils de pute, comme on dit. Alors là, attention, faut pas jeter les caisses n'importe où, parce qu'il y a des ennemis. C'est votre sale arme, c'est les objets que vous ramassez. Non! Le cœur de Rocker, putain! Et là, je suis dégoûté parce que je vais pas pouvoir sauter. Je peux pas remonter, je suis obligé d'utiliser ma caisse et d'essayer de voir si je peux remonter. Oui, je peux. J'essaie de récupérer mon cœur de Rocker. Avec mon cœur de Rocker, je jamais su lui dire je t'aime. Oui, mais maman, je m'aime quand même. Voilà, je récupère mon cœur. C'est l'instant folie. Avoir le réflexe là, réflexe. Et alors, bah, si je descends là, je me rappelle, j'arrive au niveau du début du jeu. Par contre, là, je ne peux pas empiler les caisses de mémoire, c'est pas comme Mokhtar. Donc, j'ai trouvé la guitare, il ne me reste plus qu'à trouver la sortie du niveau. Et comme je me rappelle un petit peu du premier niveau, du moins, je sais où c'est. Mais par contre, ça va être. C'est loin d'être facile, hein, ce jeu. Il est tout aussi difficile que Mokhtar. Bon, peut-être même pas aussi dur, mais... Allons. Oh putain, le jardinier. Oh putain. Je me suis fait larciner par un jardinier. Voilà. Je recommence. Oh putain, je repère 20 disques. Du coup, j'ai 20 moins rien, là, ça fait rien. Il est vraiment très très dur ce jeu, franchement. J'essaie de me concentrer, c'est pas évident. Il est tard. Il est Mokhtar. Cinquième jeu que j'enregistre dans la nuit, depuis 2h du matin, je ne sais pas quelle heure il est. C'est mon téléphone qui filme. Je vais vous le dire, attendez, je vais essayer. Allez, 3h16 du matin. Lundi 8 février 2023. Tiens, le jardinier, prends-en dans ta gueule, ça t'apprendra. Parapluie, je crois que c'est un item qui me permet de sauter un petit peu plus haut et de planer. Parce que oui, pourquoi pas. Et je peux le lâcher. C'est débile. Voilà.
et je peux bien sûr marcher sur les nuages. Parce que pourquoi pas. Oh non, putain. Il me lâche pas en plus, il me suit lui. Je vais reprendre le parapluie. Et je vais essayer d'éviter les fameux perroquets des villes. Faut pas que j'essaie de le tuer. Oh connard. Oh connard. Le niveau 2 c'est l'usine de mémoire qui est très très dur. Putain, c'est le niveau de l'enfer. Déjà que je sais pas, il faut passer le niveau 1, niveau 2. Oh non, j'ai raté mon occasion de tuer ce saloperie d'oiseau de merde. Là, il n'y a aucune délimitation des plateformes, putain, tu sais pas où tu vas en fait. Si, il faut bien regarder, putain de merde. Voilà, je me calme. Je vais essayer de ramasser des maximums de disques. Les disques cassés, c'est des disques en moins en fait. Je crois qu'il faut faire attention parce qu'il y a Didier l'embrouille là. Ah non, j'ai fini le niveau, ça y est. Voilà. Alors l'usine. Regardez, on retrouve l'esprit des sprites de Moktar. Le gamin qui vous envoie du. Bon, il envoie de la, du lac de. Du. Comment ça, du spray pour faire des graffitis. Oui, il se rapproche vraiment des sprays de Moktar. Oh putain. Non, je sais pas ce qu'il y a là. Ah, il y a les broyeurs, putain, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ce bonus? Moins 20. Putain, mais il te donne des bonus, c'est toujours des malus en fait. Alors, ce jeu est sorti sur Amstrad CPC, Amiga 500, puisque c'est juste cette version-là que vous voyez là. Atari ST, PC DOS de mémoire. Et sur Nintendo, il me semble qu'ils ont sorti une version. Pas dans le... Ils aillent dans une usine dans le film. Des vapeurs d'acide. Aïe, et voilà, je suis mort dans l'acide. Putain, comment tu veux sauter ça? J'ai perdu. Dur, hein. Ce jeu, il est vraiment dur. S'il n'est pas aussi dur que Moktar, il est au moins aussi... S'il n'est pas plus dur que Moktar, il est au moins aussi dur, je veux dire. Ça sert à rien que je me fasse chier à essayer de prendre une caisse puisque je ne pourrais pas. Alors là, je suis mort là tout à l'heure. Plus 50, merci. Oh putain, putain. Qu'est-ce qui est dur ce jeu. Ah tiens, crève connard. Là par contre, je me rappelle plus du tout où est l'instrument de musique. Oh putain. C'est pute, c'est pute. Ce jeu est pute. Ah, j'ai perdu. Est-ce que je recommence au niveau 1 ou pas? Eh oui. Donc là, je vais jouer le Jack. J'ai plus qu'à jouer. J'ai joué le petit gros. Maintenant, je joue le grand maigre. Allez, je fais une deuxième partie et puis j'arrête là.
pense que vous en aurez vu suffisamment pour vous faire une avis du jeu. C'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu extrêmement difficile. On reconnaît bien la patte de Titus qui a fait Mokhtar un petit peu plus tard. Sauf que Mokhtar, le gameplay est un petit peu plus abouti quand même, il n'y a pas à dire. Il est beaucoup plus riche. Alors le flic il va rester là maintenant. Oh, il a popé ailleurs, l'enculé. Je récupère un point de vie, là. Et je vais vite le perdre parce qu'il y a la serveuse qui va me tuer. Voilà. C'est vraiment important de récupérer les disques parce que vous avez vu l'énergie, à quel point vous la perdez facilement. C'est de l'indécence. Voilà, je vais pas tenter plus parce que... Après, graphiquement, c'est joli, les musiques sont sympas. Oh, j'ai perdu des disques. Par contre, il y a une maniabilité très très rapide. Ouf, pas passé loin. Là, c'est con qu'on puisse pas poser les caisses. Larguer des caisses comme dans Mokhtar. Je vais essayer d'en chercher une autre pour tuer le premier jardinier au moins. Le deuxième, je vais pouvoir l'éviter assez facilement. Si généralement quand tu dis ça, que tu te prends l'ennemi. Allez, viens là. Voilà. Là, je vais pas pouvoir passer ça parce que je peux pas sauter avec la caisse l'eau. Je peux pas sauter là. Ah, mais par contre, je peux le tuer lui. J'ai tué Willy le jardinier. Je vais lâcher ça. Voilà, ça se passe là. Je récupère un petit peu ma dextérité. Ça, c'est pour celui qui me regarde et qui me troll tout le temps. C'est pour ta gueule. Là. Pour ceux qui me cassent les couilles depuis des années. Je plane. Les disques cassés, ça me fait moins 20 disques, c'est abusé quoi. Moins 10, pardon.
Voilà. One life, le niveau 1. One life maintenant. Bon, maintenant, est-ce que je vais me one life et le niveau 2? Ça m'étonnerait. Parce que là, c'est ardu de. C'est tendu du slip ce niveau. Oh pute. Oh pute. Oh pute. Oh pute. Est-ce que je peux aller là? Je vais tenter, je suis pas allé là la première fois. Oui, je peux, mais je vais me faire défoncer. Oh putain. Mais me moleste, le nucléaire moleste. Il faut que j'essaie de comprendre le level design aussi, parce que si tu connais pas le niveau, tu risques pas d'aller bien loin, quoi. Ok. D'accord, par contre là y'a rien. Y'a rien là. Oh putain, j'aurais pu attendre, connard de moi. Attends, je vais essayer de fouiller en bas. Ah si, je peux descendre. Oh mais putain de... petit con de tam. Alors il y avait rien en plus, putain, j'y suis allé pour que dalle. Oh, de où tu me touches, fils de... mais putain, il m'a snipé avec sa bombe... putain, voilà. Il m'a snipé avec sa bombe... la bombe graffiti là. Je suis clairement mort là. Qu'est-ce que c'est qui m'a touché là? Bâtard là. Tiens, ta mère. Donc là, je descends par là. Mais je l'ai tué juste pour le plaisir, mais cet enculé. Là, c'est pas évident là. Là, voilà, t'es obligé d'avancer en fait. Waouh, waouh, waouh. On se calme. Il y avait rien là. J'ai déjà passé un endroit où j'étais déjà pas allé. Les broyeurs, attention. Oh, il va me lâcher une caisse dessus, lui. Je le sens. Ah ben voilà. Mais je pensais qu'il allait me larguer dessus, putain. Je pensais pas qu'il allait me l'envoyer dessus. Allez, une petite dernière. Et 24, ça fera une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Concentre. Wow, le sniper de la caisse sur mémé quoi. Vous avez vu un peu le sniper de caisse sur mémé quoi. Tiens.
Ça, j'aimais bien avec les jeux de Titus, avec les personnages, c'était rigolo, les ennemis. Il y a la petite mamie dans son grand-mère, la petite grand-mère, là, dans son caddie. C'était rigolo, ça. Entre Noctar et ce jeu, bah... Donc là, il va apparaître à gauche. Bon, je vais pas prendre les disques, je m'en fous. Je vais au plus vite. Je vais essayer de passer au moins niveau 2. Niveau 2, attends, c'était l'usine. Niveau 3, c'était... je sais pas si c'est pas la prison. Ou le chantier. Totalement plus. Je sais qu'il y avait la prison et le chantier. De toute façon, j'ai pas vu la map. J'aurais dû regarder la map, ça me l'aurait dit. Je suis con. Bon, là, je vais pas tuer tous les jardiniers parce que sinon ça va me faire perdre du temps. Je vais essayer de speedrunner. Lui, par contre, le flic, je vais le tuer parce que lui, il me menace. Il menace mon intégrité. Voilà, ça se passe bien. Voilà, ça se passe très bien. Voilà, si je garde ça, il y a moyen de moyenner. D'éviter le perroquet des États-Unis, hein, pardon. Et voilà. Je récupère un max de 10, tant pis, ils sont cassés. S'ils sont cassés, ça me fait quand même perdre 10, quoi. C'est pas rien. Est-ce que je peux remonter? J'essaie de grappiller. Bon, allez, c'est bon. Oh, si je fais ça pour passer niveau. Alors oui, le chantier, la prison et le stade, je crois. Enfin, le concert. J'ai max de vie. Voilà, là c'est plus simple. Du coup, j'aurais pas dû tuer le petit con avec sa gazeuse là. J'aurais dû me concentrer. Ah, les broyeurs. J'étais pas encore tombé dedans. Ben voilà, c'est fait. Les broyeurs, c'est fait. Lui va me larguer la caisse dans la gueule. Ça, la glace, ça glisse. Hein. Bon, on vous apprendrait rien. Est-ce que c'est un malus? Est-ce que c'est un bonus? Là, c'est un bonus, donc l'autre, ça doit être un malus. Malus, bonus. J'en étais sûr. Qu'est-ce que c'est, ça? Un boucher enflé. Un boucher. Est-ce que c'est une vie?
Putain que ça glisse. Ouf, de sa mère. Je me rappelais pas du tout toute cette zone-là dans ce jeu. Non, je suis pas allé à gauche. Hein. Oh, les trampolines de Nocta. Mais ça ressemble bien à une usine, hein. Je vais essayer de vous mettre, peut-être si j'y pense, un plan de ce niveau. Et ça ressemble vraiment à une usine, là. Il y a la cheminée, quand vous voyez le niveau de loin. J'ai récupéré le micro, ça y est. Donc je me casse, Morgan, je me casse. Donc la fin, elle doit être en haut à droite, je pense. Par définition. Donc là, j'étais allé là. Je vais tenter le coup par là. J'espère. Et non. Pitié. De difficulté. De difficulté. Mais j'étais pas allé. Oh! J'ai plus beaucoup de droit à l'erreur là. Faut que je fasse attention. C'est chiant, t'es obligé de grimper là, c'est chiant, putain. Attends, est-ce que je suis... Je suis pas allé là, à la gauche de lui. Je vais tenter là. Oh, c'est le début du jeu. Elle est où, cette pute de sortie? Micro, je veux sortir. Niveau 3, c'est un labyrinthe, par contre, ça, je me rappelle. Putain. Je me rappelle de la prison, il y a des pics de partout. Des CRS, des trucs comme ça. Là. Oh non, mais ta mère, pute. De gameplay, c'est jouable, c'est pas trop gros. Oula, 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 oula. Oh, j'ai perdu 20 disques, mais c'est pas grave. Et je meurs en glissant. Il y a un checkpoint, il y a un point check. J'ai pas perdu le micro, ça va. Et où cette sortie de chiasse? Il est dur ce jeu, putain de merde. Vous savez pas à quel point j'en bave là. Donc là j'y suis déjà allé, il n'y a rien. Où faut-il aller? Il descend doucement. Ah là, regardez.
le chemin qui chemine. Ah. Oui. En fait, il fallait reprendre la cheminée. Voilà, c'est l'enfer ce niveau. Voilà, je vous avais dit les CRS. Fais attention parce qu'il y a des pics de partout. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Bon, je ne peux pas y aller. J'essaie de descendre au mieux. Voilà. Wow. C'est calme. C'est qui m'a tiré dessus? Oh putain, un savant. Un docteur avec un bazooka, c'est bien connu. Oh les pics, putain. Je fais attention, je regardais le rat. Regardez-moi ces pics de Khmer. Enfin le surmulot, pardon. Ok, y a rien là. Aïe, c'est pute. Ok, donc je peux pas aller là. Donc là, il faut fatalement que j'aille là-haut. Aïe. Oh, mais je peux pas le tuer, putain de merde. Oh, ce piège de pute. Comment tu fais pour passer ça? Ils t'ont mis la caisse alors que tu peux pas l'utiliser. Je fais comme eux, c'est que j'ai perdu ma vie. Quand tu meurs, tu danses dans la vie. Bon, bref. Sur ce, je vous laisse. J'arrête là. J'en ai marre, je suis fatigué. Il est 3h45 du matin. Oh, ça fera 5 ou 6 gameplay que j'enregistre dans la nuit. Allez, stop pour aujourd'hui. Je me repose. Nous étions donc le 8 mai 2023. Il est 3h45. Regardez, c'est marqué là. 3h45, ça pique. Sur ce, j'arrête l'enregistrement. Et j'arrête là. Donc c'était un bon petit gameplay d'une presque 40 minutes quand même pour vous faire découvrir le jeu, montrer la difficulté, montrer toutes les possibilités. Et je suis arrivé au niveau 3. Il en reste encore 2. 2 niveaux. Donc je vais pas plus loin de toute façon. Allez, je vais faire le mauvais joueur. J'ai fait exprès de perdre pour que vous puissiez pas voir, pour pas vous spoiler en fait. Voilà, j'ai fait exprès de perdre pour pas vous spoiler. Et pour que vous puissiez en profiter, parce que sinon vous allez vous spoiler, vous n'aurez plus envie d'y jouer. Voilà. C'est pour votre bien. J'ai fait exprès de perdre pour votre bien. Bref, sur ce, j'arrête là. Je vous laisse. Je vous dis bonne nuit. A bientôt. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez connu ce jeu. Si oui, sur quelle plateforme? Amstrad, Atari, Amiga, Nintendo. Savoir aussi qu'il y a eu une version Super Nintendo. Qui n'est pas du tout le même jeu, c'est encore un jeu de plateforme de Titus, mais c'est une autre adaptation. Je sais pas si c'est pas Blues Brothers 2000, si je dis pas d'erreur, le Super Blues Brothers, une connerie comme ça. Il y a eu un autre jeu de Titus, les Blues Brothers, sur Nintendo 64. C'est un jeu abominable, apparemment, de ce que j'en ai dit. C'est un jeu de plateforme, mais très très dur et très pas évident. De toute façon, le jeu Nintendo 64, c'est pas réputé pour être jouable au niveau de jeu de plateforme, excepté Mario. Il y a 2-3 exceptions, mais sinon, c'est bon, à l'époque des premiers jeux 3D, de toute façon. Mais bon, cette version-là de Titus, de je suis tellement habitué de Titus The Fox et Boktar, que de Blues Brothers est très très bonne. Très très bon jeu, franchement. La difficulté est très très élevée. Très 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 élevée.
vous ai dit, hein, niveau difficulté, on entend souvent parler des jeux Tintin, les jeux machin, les joueurs du grenier, tous ces jeux-là, mais bon, en réalité, les plus durs sont les jeux micro. La preuve encore. Et je vous mets au défi d'essayer. Et bref, c'était pas un mauvais jeu. Je voulais vous le montrer, le présenter. C'était Piment de The Geek Style. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sur ce, comme dirait Valérie, au revoir.